populaire ce dimanche 14 janvier 2024 autour du chouchou des Béninois, le docteur Thomas Boneyahi. Une descente majestueuse qui a mobilisé à plus de 8000 participants. Chère maman, toujours belle, 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 belle. Je suis dans la joie totale. La joie de vous voir aussi nombreux, nombreux, nombreux. Ancien président de la République du Bénin et aujourd'hui président du Parti Les Démocrates, Boneyahi, après ses vœux les meilleurs et son aperçu global sur la situation politique de notre cher beau pays, le Bénin, appelle à plus d'engagement, d'amour et d'unité, les Béninois. Aujourd'hui est le bon jour. Cette heure est la bonne heure. Debout est le bon moment, mes chers parents. Nous sommes venus pour sceller, remobiliser. Nous sommes venus vous faire connaître le grand parti. C'est pourquoi je vous demande pour tous, le Parti des démocrates va occuper le cœur de 99,99% des Béninois. Instant ultime pour ces responsables du plus haut niveau du Parti Les Démocrates de rassurer du beau jour devant les Béninois. J'ai lu et réélu plusieurs fois que le Koufo est désormais au Parti Les Démocrates. Est-ce que c'est vrai? Et votre grande mobilisation les témoigne. Nous allons accompagner le mouvement dans le Koufo. Rien ne sera plus comme avant. Le Koufo, c'est pour nous tous. Le Koufo, c'est pour le Parti Les Démocrates. Le Koufo, c'est pour Yahi Boni. Misu Vechan, Misu Tonchan, Miawe, Miawe. Et au nom de l'amour qu'il a pour le département du Koufo, je voulais lui dire que le Koufo est prenable et que le Koufo est pris. Fiers de se retrouver en face de leur papa bonheur, état-major, militants et militantes du département du Koufo affichent clairement leur total engagement et leur détermination pour les prochaines victoires plus écrasantes dans le département. Nous, responsables, militants, sympathisants du Parti Les Démocrates, mettons les pas dans ceux du président Dr Boneyahi. Pardonnez sans cesse et nous allons retrouver la quiétude à l'intérieur du parti et faire face aux défis que nous avons. Nos femmes amazones voudrions acclamer et féliciter notre papa, le docteur Boneyahi, qui a pris la reine du parti. Chère Amazon battante, je vous rappelle de ne pas oublier notre serment, celui de servir notre parti avec abnégation et de le porter à de plus grandes victoires en 2026. C'est pourquoi chacun de nous doit poursuivre contre vents et marées la marche de la victoire enclenchée depuis janvier 2023. Une fois encore, je nous appelle à une union sacrée pour répondre à l'appel du peuple. Mettons-nous résolument au travail pour élargir les bases de notre parti dans le département. Vivement que l'Éternel Dieu exauce leur prière pour le bonheur de tous les Béninois.